L'Italie ne décolère pas deux jours après l'irruption de douaniers français dans un local réservé à l'accueil de migrants, ici à Bardonecchia, côté italien de la frontière. Pour la France, rien d'illégal. Dimanche, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics et responsable des douanes, a déclaré qu'il était prêt à se rendre à Rome pour s'expliquer avec les autorités italiennes. Le parquet de Turin a ouvert une enquête et le ministre italien des Affaires étrangères a convoqué samedi l'ambassadeur de France à Rome pour évoquer un acte grave et une conduite inacceptable des douaniers. Les douaniers français sont accusés d'être entrés sans permission dans un local mis à la disposition d'une ONG pour soumettre un Nigérian interpellé dans un train à un dépistage urinaire de drogue. Le journal italien Corriere della Sera rappelle que cet épisode s'inscrit dans la droite ligne des poursuites de migrants à la frontière de Vintimille ou à l'incrimination grotesque d'un guide alpin français coupable d'avoir secouru une migrante sur le point d'accoucher.